Et donc, salut tout le monde, c'est Flavius Contentieux, et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Rome Total War avec. Oula, le jeu qui lag, ok. Ok, mauvais bouton. Donc, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Rome Total War, Warlord of Sparta. Voilà, accent pitoyable, en effet. Alors, ben là, je crois que j'ai pas de mission en cours, oui, c'est bon. Donc, précédemment, nous avions libéré Termon, enfin, Termon s'était soulevé en notre faveur. On avait pris Ptia, on avait conquis les îles, on était en train de. On avait conquis les îles de. Naxos, et on est en train de faire la croisade. Pardon. La conquête de la Crète, avec notre leader de faction, enfin tout ça, blablabla. Et pendant ce temps-là, nous sommes en Macédoine. Et qu'y a-t-il d'intéressant en Macédoine? C'est la mer Noire. Elle est là-bas, la mer Noire, actuellement. Mais bon. Non, sérieusement. C'est la Macédoine de légumes. Non plus. Bah quoi? C'est le pays d'Alexandre le Grand. Et j'espère qu'on va pas avoir ce petit con qui va me faire chier. Ah non. Ça va, déjà que c'est dur les Perses, ça leur manquerait plus Alexandre le Grand. Bon, 1471, son père n'est même pas né encore. Oh, bien! Super! On a une ville qui est... On a gagné! On est en train d'envahir la Grèce et... Ah, Kydonia, bah, on occupe pacifiquement. Oh putain, c'est pas possible, il y a des rebelles partout sur cette île! C'est la Corse, quoi, cette île ou quoi? Oh! Bon voilà, attendez, je vais faire deux unités puisque l'IA me fait chier. Et je vais abolir les impôts. Voilà, tout d'un coup on est gentil, hein. Bizarrement, hein, on vous donne des impôts, on n'est pas trop en colère, hein. Bien. Construction de port, ouais, enfin rapport de construction, tu me diras. Eux, ils peuvent m'attaquer? Oui, ils peuvent m'attaquer logiquement. Donc en Crète, oui, donc eux, ben, j'ai pas réussi à les tuer, voilà, hein, c'est pas grave. Ben, à la plus prochaine. Deux unités, parce qu'on est assez loin de chez nous quand même. Nous sommes loin de nos terres. Get out of my way, man. Allez, goodbye. Enfin, au revoir. Goodbye, man. Bon, est-ce que je tente un débarquement ou est-ce que j'attaque. De toute façon, la Crète. Quand tu vois la Crète sur Rome de base, elle est grande. Alors que là, elle est microscopique, mais bon. Je vais pas me faire chier à aller taper les rebelles, hein. Allez. Direct dans la flotte. Seconde ville! Paré à manœuvrer. Mouvement Oui, elle est où la ville? Oui, ici. Donc là, assez bon, on va bientôt arriver en. Bah, en Crète! LOL! LOL, on est déjà en Crète, Corique! Donc, actuellement, on est en train de faire de Delphes notre base arrière pour se battre. Bah, oui. Oui, bien sûr, vous pensez que je vais me battre tout seul contre les méchants Perses? Non. Il faut une base arrière pour. Voilà. Allez, un marché. Si le jeu pouvait arrêter de laguer, ça m'irait très bien, mais je peux rien. Je ne peux rien faire. Bon bah là, jetons cette vidéo juste après celle sur l'épisode foireux de sur Rome avec les quoi déjà? Avec réponse A, c'est la mer? Non, ça va, on a compris la blague de la mer Noire. Ben, jetons cet épisode après celui sur Napoléon et je vais en tourner peut-être un sur Kaiser Reich ou un autre jeu, hein. Je verrai. Et peut-être, je tournerai peut-être bientôt une première vidéo. Ah oui, j'ai fait quoi de ma capitale? Tiens. Enfin bref, j'ai fait de Corinthe, oui donc je tournerai peut-être bientôt une vidéo sur un mode de Medieval 2, enfin pas en série, ça sera vers l'été. Maison des Gérusia, c'est quoi ça? Ah les Gérudes, c'est le conseil spartiate, c'est en fait c'est des vieux et on leur dit voilà, vous êtes le patron. Quoi? Et d'ailleurs c'est eux qui décident quand ils doivent balancer un gamin du haut d'une de leurs falaises. Voilà, c'est à peu près ça l'horreur. Parce que ben. Ben c'est eux qui décident si le bébé il doit être balancé du haut de la falaise ou. Rioting à Kidonia, mais allez vous faire les Kidoniens. Nunia. Kidonia. Ben, je vais devoir baisser les impôts, hein, la population c'est des singes aujourd'hui. On est vraiment pas aidé sur ce mode, hein. Ouais, attends, les villes d'abord. En Érythréa. Bien. C'est bien, on est en train de devenir une grande puissance. Le mec il s'enflamme direct. On a une grande puissance. Alors chef, on a rien en puissance. Ah oui, Rioting, donc ça je vais m'en occuper. Enfin, je m'en suis occupé. Termon! Bien! Ah! Disons que la Grèce, c'est pas très peuplé à l'époque. Bon, après, tu me diras. Je tiens juste à préciser, chef, que c'est normal à l'époque de pas avoir beaucoup de gens, hein. Tyréon, voilà. Je voulais faire quelque chose à Tyréon. Mais quoi? Je ne sais plus. Enfin, je vais construire un temple d'Athéna, hein. Ça doit faire bizarre quand même, les Grèces. C'est complètement ahistorique de voir les.
les Spartiates et tout cohabiter, parce qu'historiquement, ils étaient pas vraiment connus pour s'entendre, les Grecs et les... Non, les Spartiates et les Athéniens, parce que bon, c'est limite, la guerre du Péloponnèse, elle durait encore aujourd'hui. Oui, mon capitaine. Oh ? Des pirates ? Oh oh ! Tu es un pirate ! Non ! Va te faire, alors ! Bon, on va débarquer sur l'île. Oui, si. Débarquement de Normandie, je vous l'annonce direct. Seigneur. Surprise ! Tindin, Knossos, maintenant. Communauté assiégée, sire. Communauté assiégée, sire. Parlez. C'est bon, j'ai pas de problème de chrono. Je vais les attaquer pour voir. Vous pouvez attaquer une... Mouvement de flotte, oui, bon. Allez, je vais démonter cette crotte, mais je pense que je vais perdre. Ah non, c'est bon, on a gagné, on n'a pas perdu grand-chose. Meurs. Oh ah, j'aime bien quand comment les navires, ils coulent. C'est... Ils coulent, ben... Très bizarrement, c'est... Ils ont un trou. Non, eux, ils s'en foutent vraiment que... Ouais, en fait, la campagne, ça va juste consister à assiéger des villes, et encore des villes. J'espère qu'on aura au moins une bataille à Larissa. Alors, Larissa, un tour, et machin, deux tours. Bon, ça va. Et il faut se dire que on va bientôt... Ah, mais vous êtes pas les rebelles de là-bas ? Si ? Je crois que vous êtes les rebelles de là-bas. Ah, je crois que vous êtes les rebelles, hein. Pff, c'est quoi vos armées de merde, les gars ? Les mecs, ils me ramènent leurs pires armées. Ah bah oui, vous êtes bien l'armée de Knossos ! Ah mais oui, vous êtes venus. Bon, c'est gentil de votre part de venir mourir. LNS, nanana, alors tu vois mon armée de Spartiate, tu vas l'avoir dans le derrière. Alors c'est vrai qu'on avait des Germains dans notre armée. Qu'est-ce que foutent des Germains en Grèce ? Oui bon, après tu me diras les Celtes et tout, mais c'est pas historique ça, des Germains en Grèce. Enfin bon. Alors, eux qui enfin bref, 51 ans, c'est un Spartiate. Toi mec, tu devrais... Oh, tu n'es pas un Spartiate, mon seul faction en est un. T'as hérité de faction ? Bah non, pourquoi il y a autant de gardes du corps dans son nom ? On va pas se poser de questions. Ben, attention, y a pas grand monde. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Ouais. Bon, allons-y. À 3 contre 1 avec un général qui a 50 milliards d'étoiles, ça devrait peut-être faire bien bobo. Ça va faire mal. Ça va faire mal, hein, les enfants. Bon, allez. C'est bien ce que les rebelles, on est en train de leur faire la peau. Et je suis sûr, historiquement, les Grecs, ils en étaient même pas à Delphes encore, historiquement. Mais bon, là, de toute façon, vu qu'on est en train de... De conquérir la Grande Grèce, la Magna Graecia. Enfin non, Magna Graecia c'est plutôt l'Italie, mais bon. Ça va, on s'est bien compris. Alors le conquérant est détruit et le conquérant détruit ses amis. C'est quoi ce proverbe? J'en ai jamais entendu parler. Ah génial, Reza. Vous sentez une odeur de fruits mûrs. Ce sont nos ennemis. Voilà, c'est bon. Attendez mes ordres. Non non non, attendez mes ordres. Yeah. Bon, allez, on va se battre contre des couillons, hein, bien sûr. Ça va pas être dur, je pense, une bataille contre eux. Oh oui, merde, c'est vrai que mes Spartiates, ils étaient complètement démontés. Oh mon dieu, mes pauvres petits Spartiates d'amour. Si c'est le mec qui donne un peu trop de la sexuelle, ces Spartiates. Chef, lâchez-nous, ça devient malsain. Alors, c'est quoi ces fabuleux, Ah non, c'est pas eux, attendez, Y'a erreur sur marchandise, là. Ah, putain, c'est vrai que ça bug encore. Alors c'est vous les... Non, vous êtes de l'infanterie lourde, d'accord. C'est pas la même chose, mais... Nique sa mère, on est quand même des soldats d'élite. Aujourd'hui, le passeur va avoir du travail. L'ennemi a rameuté d'autres victimes. On va se rapprocher et on va leur faire mal. Alors, on a intérêt à ZBG, ce qui est un peu l'armée ennemie qui est en train de spawner derrière nous, mais bon, hein, c'est un détail de l'histoire, on va pas se mentir. Allons, on va... Par contre, je sens qu'avant la fin de cette campagne, j'aurai la moitié de mon armée qui sera morte. Hein. C'est ça, je vous affirme, je vous le dis. Avant la fin de cette campagne, il n'y aura plus d'armée grecque. Bon, allez, où mon autre général? Putain, l'IA qui est même pas capable d'égaliser les forces, quoi. Allez, mes petits îlots d'amour, balancez des javelots sur leur tête. Tuez-les tous. Ah, c'est bien, c'est de bons îlots, ça. Oui, bon, de toute façon, les îlots étaient habillés avec des pots de chien, alors bon, hein, c'est pour ça que... Attends, c'est eux qui me bombardent. J'avais l'impression que c'était mes gars là qui tiraient. Aïe, ça fait mal. Non mais l'autre. Oh, aïe. Je vais être en retard ce soir, chérie. Oh mec. Oh man. Ça, tu peux toujours courir. Oh non, ça tu n'auras pas la peau de mes hommes. Ça, je te l'assure, hein. Bon, par contre, ce serait bien que ces petits cons là, ils se... Putain, l'ennemi est juste derrière moi. Oh, ennemi at the gates. Et
vu qu'on a des soldats sur le flanc, qui va se prendre une grande branlée ce soir? Mais oui, c'est toi. Mais oui, c'est toi. Et on va envoyer nos 20 Spartiates, tu sais. Oh, voilà. Pour une fois que mes hommes, ils s'enfuient au bon moment, tu sais. Allez, magnifique. On a enfoncé l'ennemi. Plus en général, c'est des tireurs. Non, mais allô, quoi. Mais les mecs, courez, bande de lâches. Fuyez. Cours, petite hirondelle. Cours. Je vais te tuer, tu vas voir. Je vais te tuer, tu vas voir, Philippe. Écoute Philippe, faut pas m'en vouloir. Hein, je dois faire quoi alors? Vous allez arrêter de tirer parce que les trois, les quatre cons là, les quatre singes, ils vont aller influencer mes hommes pour les tirer dessus. Ça va là, le jeu, l'unité ennemie qui est encerclée à 500%? Hein, je vous avais bien dit que c'était pas une bonne idée. Même eux, ils sont d'accord. On va faire courir les mecs là. Vous, on tire. Volonté, si de préférence, hein. Comme au resto chinois, on mange à volonté. Vous allez les tuer les mecs là ou non putain, et c'est dommage qu'il n'y ait pas de cavalerie parce que je peux te dire ce mode t'aurait sorti de beaucoup de situations différentes. Sinon vous avez des javelots, hein, c'est pas interdit de... Ah bah quand même. Putain, et oh bah dis donc, ça fait mal les mecs. Même l'ennemi il ose même pas me tirer dessus avec. Alors par contre ce qu'on va faire, on va vite replier mes trois petites unités d'îlotes. Alors là, chef, on va avoir très mal. Gardez espoir. Aïe ouïe, oh, ça fait mal ça. Sinon là-bas ça se fait, ça se termine là la course poursuite. Oh, ils sont chiants. L'IA, elle est chiante quand elle s'y met avec le truc du non, tu m'attraperas jamais, lol, oh lol, 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 oh lol, oh, tu m'attraperas, oh lol, tu m'attraperas jamais, tête de con, qui tu traites de con? Ah, bien sûr, hein, on est une IA de, on est une IA de lâche, j'ai une idée si on attaquait l'ennemi dans le dos, lol. Même mes hommes, ils sont, même l'ennemi, ils trouvent ça chiant de, ils trouvent ça con de poursuivre mes hommes. Allez, tuez-les là, parce que j'en ai marre. Voilà, un monsieur va regretter de m'avoir cherché, hein. Et oh, oh là, eux, ils vont se faire éclater, là. On va se faire enculer, les mecs, mais vous inquiétez pas. Comme l'a dit notre grand chef, faut garder espoir. Appelez-moi pourquoi on a... Ça va, la lâcheté pure, hein. On attaque l'ennemi dans le dos, bon. Au fait, vous êtes comme mes hommes, attendez. Putain, génial, je vais perdre les... Allez, mon feu, allez, mon génie, allez, le vieux. Allez, l'ancien. Ouais, vous pouvez pas faire, vous pouvez pas tester des soldats d'élite. Ah oh, bah c'est bon, en fait, y a pas de problème au niveau de la caméra, faut juste attendre que la caméra te permette de... Et puis merde, c'est complètement con, hein. Les mecs, là, vous êtes un peu lourds quand même, hein, c'est... Mais c'est pas possible! C'est quoi cette IA? Les mecs, c'est des cavaliers d'élite? Non, allez, on vous court après jusqu'à la mort! 10, 11, Sparta! Putain, elle est crée... Le général ennemi. Ah bah quand même! Excusez-nous, on est des soldats d'élite, mais on s'est quand même tombé en déroute, hein! Incroyable. Bon, là, vous allez vous courir, hein, parce que... Oh non, mais Spartiates, non, non, mais Spartiates, non! Courez, bande d'imbéciles, je vous ai pas demandé de... Putain, les Spartiates, c'est vraiment con quand même. Je comprends pourquoi Sparte s'est fait démonter. Loué soient les dieux. Le cœur des ennemis déborde. Bon, tu vas aider mes hommes au passage. Et toi, Non, j'ai une idée, chef. On est en train de mourir. Et si on restait? Ouais, bonne idée. C'est parce qu'il y a les cons qui étaient avec vous au Thermopyles qui ont fait pareil que faut faire comme eux. Regarde. Regarde cette scène complètement loufoque. On va se battre jusqu'à la mort. Ils se battent bien quand même. Sauf que deux, ils parviennent quand même à en tuer une bonne poignée. C'est quand même incroyable, j'ai mis l'autre armée en déroute avant l'autre quand même, c'est pas la honte. Ah bah quand même. Ah bah quand même, vous savez vous battre. Au final j'ai pas vu ce qu'ont fait mes hommes mais ils ont l'air de s'être bien battus. Bon. Toi tu fonces dans le tas. Toi tu vas aider, tu fonces dans le tas aussi. Mais c'est scandaleux quoi, les lanciers, les archers grecs sont plus forts que mes Spartiates au corps à corps, c'est... Parce que bon, pour avoir perdu des... Putain, vous êtes plus que 6.
Bravo Nils, hein. La défaite, une possibilité à envisager. Honnêtement, t'as... Ah, c'est pas la ville, ça, là-bas. C'est pas Knossos. T'as Knossos, c'est plus beau que ça, normalement. Bon, allez, on va vous achever cette lutte à mort, oui ou merde. L'armée ennemie est... Ah, je vous massacrer, attendez. attendez, vous m'avez fait chier, là. Vous allez vous faire exterminer. Ah, non, et décidément, l'IA, je sais pas ce qu'elle a avec moi aujourd'hui, mais elle veut me faire chier sur toutes mes parties. Je suis sûr, sur Kaiserreich, elle va me faire chier pour mon débarquement en Angleterre. Loué soient les dieux. Cette victoire est certainement... Putain, bien sûr, les 6 Spartiates, ils sont pas capables de soigner. Ah, chef, j'ai mal à la jambe. Coupe-toi la jambe. Ok. Chef, pourquoi ma jambe, elle noircit? Putain, le con, il a la gangrène. Putain, mais les Spartiates sont tellement cons qu'ils seraient capables d'avoir la gangrène, tu sais. C'est pas des Spartiates, ça, c'est des merdes. Libération, vous avez libéré un valeureux allié. Oui. Mais lequel? Ces terres sont à nous. Putain, il y a encore des rebelles, c'est pas possible. Putain, vous allez me faire chier jusqu'au bout, vous, hein. C'est... Ouais. On est des rebelles, mais on aime bien vous enculer. Ah, ah, ah. Putain, il y a encore des rebelles, c'est pas possible. On est la faction la plus avancée. Nous, au moins, on libère nos frères de manière démocratique. Putain, notre économie va encore se faire casser la gueule. Est-ce que on a Larissa? Yeah! On a la ville de Larissa, on a les... On a gagné une armée gratos? Bien, bien, super, super. C'est plutôt pas mal. On va recruter deux unités de garnison et on verra. J'aurais bien fait d'exterminer la population dans cette ville. On a gagné quoi en armée? Allez, faites-nous rêver! Vos ordres? Oh oui, le retour de la grande armée! Attends, si je mets le prince héritier, est-ce que les gens me détestent? Je pense qu'ils vont me détester si je quitte la ville, hein. Ils sont contents? Putain, mais mon général, c'est une merde! Je suis une merde! Cordialement, la direction. Alors, il est où mon espion? J'avais recruté un espion, je crois. Enfin, je pense avoir recruté un espion, parce que honnêtement, j'ai des doutes. Espion. Alors, agent. J'ai un espion à Focus. Focus. C'est tellement ça le nom de cette ville, on dirait que quelqu'un a dit Focus. Bon, voilà, allez, on va monter au nord. Possible, sire. Pas possible, sire. Ah, si, c'est possible, si je te l'ordonne. Tu sais, mec, mes chefs, je peux pas manger manger de la merde, c'est dégueulasse. Je te le dis, alors tu le fais. Oh, et puis merde. On va se le dire, là, lol. Alors là, on a le général Sosibos. Je pense que tu as maigri social. Trololololol. Donc on a la quasi-totalité de la Crète, il reste plus qu'une ville au sud. Non bon, je peux pas faire des blagues sur la guerre de sécession éternellement. Un jour je vais me faire shooter parce que j'en ai fait, ben oui. Parce que dans certaines de mes villes je peux remonter les impôts. Comme là par exemple. Enfin, que les gens soient trop cons au point de savoir ce que sont des impôts. Ouais, bon, on va dire que ils aiment les impôts, hein. Si c'est le mec. On n'aime pas les impôts. Ok, on va vous les remonter. Non mais on a dit qu'on n'aimait pas. Alors eux ils vont péter un cap si je les remets. Ah oui, bon, par contre, si je mets les impôts très haut, là, ils vont pas aimer. Voilà, 90, c'est le minimum. C'est le minimum syndical qu'on a décidé, hein, c'est comme ça, hein. Donc là, à Termon, on est en train de construire le bâtiment. Dire que Termon, c'est la ville que tu te fais chier à prendre avec les brutis sur Rome. Ah, mais quand tu affrontes les Grecs la première fois sur Rome, tu la sens passer quand tu affrontes les Grecs. Avec leurs 50 milliards d'hoplites. Pourtant, le problème des Grecs, en fait, c'est qu'ils ont pas d'unité au corps à corps. Non, c'est eux, c'est juste des cons qui tiennent des lances. Ben, on peut dire qu'ils tiennent la perche. Papa, pshh. Voilà, c'était encore nul. Allez, on va construire un temple d'Hermès. De toute façon, les temples font tous la même chose, donc à quoi ça sert d'avoir... ça sert à quoi d'être une religion? Oh putain, ils sont encore pas contents, là. Oh bah, bien sûr, hein, allez. Bonjour, vous allez vous faire enculer, merci, hein. Je m'y attendais pas. Ils m'ont bien fait mal, quand même. Génial, on a gagné deux villes en même temps. C'est super. Putain, on est en train de s'agrandir, les mecs. Oh putain, je devrais même commencer à exterminer les populations parce que les gens ne m'aiment pas, alors bon. Putain, en Macédoine, ils me détestent, quoi. C'est vraiment comme sur la série de Cid Giron avec Corinthe. Les gens, ils détestent tout le monde. On est la faction la plus... Ah non, c'est les Perses les plus avancés. Les Perses avancés, non mais la bonne blague. Est-ce que les mecs ils savent ce que c'est l'Empire Perse au moins? Les Perses, c'est un état en retard, voyons. Alors on a eu un mariage, bien, mais je m'en fous un peu quand même. C'est pas comme si, tu vois la taille de mon empire,
C'est un peu pas vraiment le cas des nous soucis, mais bon, actuellement. Alors maintenant, faut que je trouve la prochaine cible de l'Empire. Parce qu'on a libéré la Macédoine, hein, c'est bien ça, la Macédoine. Non, c'est la Thessalie, bah excuse-moi, mais Larissa, c'est en Macédoine. Enfin, c'est la Macédoine de l'époque. D'ailleurs, je lisais, il y a un conflit qui éclate entre les Grecs et tout. Il y a un problème entre la République de Macédoine et la Grèce. C'est que les Grecs, ils veulent pas que la Macédoine soit un État. Enfin, porte le nom de Macédoine, parce que bon. Faut les comprendre, les Grecs. C'est qu'ils ont un État, mais que. On usurpe le nom de leur État. Bon, allez, puisque les gens sont pas contents, on va aller envoyer avec ça en garnison. Hein. Il y a intérêt que ça se détende après. Quittez l'armée. C'est moi ou j'ai vu un peuple de connards? Non, parce que les mecs, il y a de la garnison, ils sont pas contents. C'est qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Parce que bon, désolé, mais bon, le peuple qui commence à être de plus en plus con, ça commence à m'énerver. Parce que bon, le peuple, il est même pas foutu de savoir se calmer, quoi. Les mecs, je vous apporte la liberté, qu'est-ce qu'il y a de dur à comprendre? La liberté, quoi? Ah oui! Bon, attendez, on va en profiter, puisqu'on a... j'ai pas le choix, il va falloir qu'on... Qu'on fusionne nos armées, hein, c'est tout ce que je peux faire. Vos ordres. Bon, j'ai pas le choix, les gens, je suis obligé de démobiliser mes unités. Enfin, pas démobiliser dans le sens, voilà. Hein. Ouais, là en bas ça tient, et là, oui, ça va. On va, je pense qu'on va démobiliser. On va laisser les unités, on va les laisser. Putain, si les gens pètent un cap dans mon empire quand même, mon empire il va pas faire long feu quand même si les gens ils m'aiment pas. Bon, attends, est-ce que c'est lui qu'ils aiment? Faut savoir quand même. Bah non, il est... c'est pas lui. Ce qui fait plus ou moins d'ordre public. Plus 60 et vous êtes pas content. Putain, le. On commence à aller de plus en plus loin dans le jeu et ça commence à être chiant. Ah, bon ben. Déjà toi et. Toi. Oui, grand stratège. Oui, grand stratège. Des Antartès. Hoplites. Moi, je sais pas ce que c'est ces machins-là, mais bon. Hein. Cette armée ne peut pas avoir plus d'unités. Bon, de toute façon, ça me va comme ça. Ça me va. Toi, tu vas aller... Attendez. Je vais reformer l'armée ici aussi. Bon, bah, je suis désolé pour cette partielle, mais il faut que je vous démobilise. Hein, sans mettre plus d'aucune utilité. Bah, vous êtes Spartiate, me fomentez pas. Spartiate Hoplitae. Spartiate Hoplitae aussi. Bah, vous êtes des Spartiates, vous. Oui, grand stratège. Spartiate Hoplitae. Spartiati. C'est la même chose. D'accord, je ne comprends pas la logique. On est des Spartiates, bah nous aussi. Pourquoi on peut pas fusionner? C'est pas, y a pas de différence au niveau du thorax, quelque chose du type. Non, y a aucune différence. Bon, allez. Plus 60, les gens sont toujours pas contents, mais... Je vais commencer à en avoir marre, hein, du peuple qui se soulève toutes les 30 secondes pour... Oh bah on n'est pas contents. Pourquoi vous êtes pas contents? Bah on sait pas, on est unis, mais... Bah ouais, c'est une bonne question, pourquoi on n'est pas contents? On devrait réfléchir, mais on est trop bête pour savoir ce que veut dire le mot liberté. Oh là 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 là, la poisse, je suis tombé dans le pire pays au monde. Mais bon, de toute façon, fallait bien que je fasse une vidéo troll du spécial 300 épisodes, donc fallait bien faire une blague comme celle-ci. Bon allez, messieurs les rebelles, tirez les premiers. Non, c'est mourir les premiers. Victoire. Bon, je pense que là, je vais baisser les impôts pour que les singes là-bas, ils se calment. Voilà, hein, bizarrement, les gens sont contents quand tu me baisses les impôts, hein, c'est... j'ai commencé à croire que ce jeu reflète tellement la réalité. Mec qui fait ses blagues. Bon allez, et pitié, ne me tuez pas, 500 000 gars, j'ai besoin de cette armée. Je ne sais pas pourquoi le jeu lag. Sur bizarrement sur l'autre, ça bug pas. Alors là, on a combien de chances de gagner? 30 contre 7. C'est fait, problème réglé. Allez, meurs. Merci beaucoup. Merci d'être passé. C'était un plaisir de faire des affaires avec vous. Tout c'était un plaisir de vous éliminer la face. Comme ça, vous arrêterez de me saouler avec vos rébellions. Rébellions. Le peuple. C'est moi, le peuple dans ce jeu, sur tous les taux. Ah, le casse, rioting. Oh bah, voyons, pas content. Je commence vraiment à en avoir marre du peuple. Qui n'est pas d'accord avec moi que le peuple se soulève sans. Moi, je comprends rien. Je comprends rien à ce jeu quand même. Les gens se soulèvent sans raison. Bon, allez, on va retourner dans la ville, hein, parce que c'est ce que veut le peuple, hein. On sait tous que, tous sont tellement bêtes au point de pas savoir ce que signifie le mot liberté, quoi. Dire qu'il y a un proverbe qui dit la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Bah, dis donc, le mec qui a fait cette phrase, je sais pas s'il regarde cette série. Enfin, non, il est mort depuis un moment, mais il saurait que cette phrase est tellement horrible sur ce jeu. Enfin, je pense. Eretria, ouais. Larissa, ils sont pas contents. Mais vous me saoulez, le peuple! Qu'est-ce que vous comprenez pas dans le mot saouler? Bah, on a trop bu!
Franchement, là, aurait mieux fallu se tuer pour, plutôt que faire cette blague, hein. Mais bon, je vais vous pardonner à ceux qui ont fait cette blague, hein. Bon, bah, allez, on va sortir avec cette armée-là, direction le nord, à Wilshavon. Chef, on avait aussi dit les blagues sur la guerre de sécession à arrêter. Ça va, j'ai pas fait des blagues sur encore pire. Non, si vous faites une blague sur ce thème-là aussi, ça va faire mal. En moins de, ça fait 20, entre 10 ans que la campagne a commencé, on est déjà une super puissance, enfin, la faction la plus riche. Ah oui, les Perses sont pauvres à ce point-là. En même temps, tu vois les armées perses. Les Perses, ils avaient 50 000 soldats au mètre carré. En fait, la Perse, c'était le... C'était un pays où il y avait plein de monde. Ah, Paloria, ça va être quelque chose. Et bien sûr, hein, les rebelles qui n'ont rien trouvé de mieux à faire que de leur journée que de m'assiéger. Bien sûr, hein. Bien sûr, Nils. C'est tous, Nils, que c'est une bonne idée d'assiéger les gens. Bon, bah, on va foncer avec l'armée au nord, hein. De toute façon, c'est tout ce que je peux faire. Alors là, par contre, je crois que c'est les Perses si je monte au nord. Droit devant. Mouvement non, je n'en sais toujours rien. Je n'en sais fichtrement rien. Le casse, on s'est calmé, hein. Voilà, hein, bizarrement, tu amènes la garnison, les gens sont contents. Ils sont pas seulement contents, ils sont contents tout court. Pouh. C'était une blague à ne pas tenter. Mais bon, fallait bien la faire tellement les gens sont fous. Après, c'est le problème de Rome, c'est que plus tu conquiers un grand empire, plus tu vois, plus les gens sont pas contents. Et vas-y qu'on n'est pas contents, et vas-y. Si au moins il y avait des logiques, mais parfois c'est pas logique. Ah, sur Barbarian Invasion, quand tu joues l'Empire Romain, les gens ils sont pas contents, mais ça te saoule parce que les gens, t'as l'impression qu'ils font exprès de péter un câble. Parce que c'est lundi. Pourquoi vous êtes pas contents? Je sais pas. Le peuple. Cette campagne commence vraiment à partir trop loin. Mais bon. Attends une minute. On va pouvoir construire un peu n'importe où. Bon, je vais trouver une autre méthode parce qu'aller vers tous les bâtiments avec Corinthe. Très bien, le bouton ne fonctionne pas. Waouh! Quelle surprise! It's a trap! Ok, là on peut rien construire. Naxos, est-ce que je peux construire quelque chose? Cet épisode va être assez court, je pense. Des routes. De toute façon, le. Ouais. Bon, des routes, c'est simple, tu poses une brique et ça fait des routes en Grèce. En même temps, tu vois la taille de mon territoire. Ouais, j'ai plein de villes qu'il faut que je modernise là, ça va pas du tout. Allez, de la bouffe pour que les gens mangent à leur faim et tout. Et je vous passe les détails que le peuple doit manger. Ah bon, le peuple, ça mange? Mes chefs, et toutes ces famines, vous avez entraîné la mort de milliers de personnes. Ah, mais c'est pour ça que les gens, voilà pourquoi les gens se révoltent, ils ont peut-être faim aussi. Oh là là, la bourde. À quoi? Non, mais vous imaginez le dirigeant complètement fou, tu sais. Chef, je crois que le peuple, ça mange, comme tous les êtres humains. Quoi? Ça mange? Bah on va construire un temple ici. Les gens me détestent. C'est, on se une, je suis en train de me faire suer à unifier la Grèce en un temps record et eux, allez on va se soulever parce qu'on est complètement fous. C'est, si j'avais su j'aurais mieux fait de jouer les Perses. Là au moins ça aurait été plus simple. Il y aurait suffi que d'avancer dans le tas et massacrer tout ce qui bouge. Bah, attendez mais cette campagne est horrible. De toute façon tu me diras. Et en plus j'ai été gentil pour l'instant, j'ai éliminé aucune cité qui était méchante avec moi. Mais bon, je crois qu'il y a une première. Vous savez, il paraît qu'il y a une première fois à tout. Honnêtement, je pense qu'il va bientôt y avoir une cité quand il qui va avoir la moitié de sa population réduite à néant pour l'unique raison que les gens ont été complètement cinglés. Oh non, mais je dis ça, je dis rien. C'est t'imagines le mec avec tous ses hommes qui s'apprête à tuer la population. Et mais on n'est pas content. Écoutez, si vous êtes pas content, c'est pas mon problème. Mais bon, on devrait éviter. On sait jamais. C'est quoi cette épée? Ça veut dire que je vais peut-être te tuer si tu continues à te rebeller. Ah. Alors, Arinia, bon, je suis désolé que ce soit aussi lent, moi je ne n'y peux rien. Athènes, ah, Athènes. Oh, des mines, une mine! Et génial, on va être la nation la plus riche de toute la, de toute l'Europe, enfin, de toute cette semi-Europe, on va dire. Et je pense qu'on va bientôt arriver au niveau des Perses. Ah ah! J'espère qu'ils vont pas me raconter l'histoire de Persée et Méduse! Je comprends en fait pourquoi cette chaîne n'a pas beaucoup d'abonnés. En même temps, avec les blagues que je fais, il y en a plus. Si on fait un référendum de si je dois arrêter les blagues, le référendum est remporté à 500%. Oui, je sais, c'est pas possible. Mais par ceux qui ne veulent pas de ces blagues. Ça m'étonnerait même pas, voyez-vous. Je suis obligé d'utiliser les touches fléchées pour déplacer. Même ma souris, elle est trop lente, quoi. C'est du n'importe quoi. Ces pirates, ils m'énervent. Téléfus. Oh, plus d'avoir un nom de merde. Excuse-moi, mais bon. Est-ce que je peux quitter la ville ou est-ce que le peuple y est encore... Ah non, bon, on va passer le tour, hein.
Je pense qu'on va bientôt arriver au niveau des Perses, tiens. Ça m'étonnerait même pas qu'on les croise. Fin du rapport de tour, et on gagne tellement de fric. Money, money, money. Oh, génial, c'est de construire en un tour des routes. Je construis des routes, les gens ont fait des enfants. C'est quoi ce troll? Les Perses sont les plus riches. Ouais, bon, en même temps, avec tout ce que j'ai construit en moins d'un tour, ouais. Ouais, bon, là, par contre, ça va me prendre 100 ans à tout faire. J'ai la flemme de... Oui, je sais, je suis un dirigeant flemmard qui ne... Oh, et puis, putain, vous savez, quand on est dirigeant, faut pas faire grand-chose. Bon, ça, c'est complètement con, mais il faut le faire. Do it! Mais, attendez une minute. Mon armée était victime d'un blocus. Il va savoir comment, les mecs, ils fuient le blocus. Ça fonctionne pas comme ça, le monde. C'est comme si tu disais, je vais te tuer parce que tu as des cheveux qui ne sont pas normales. Mais je suis mal coiffé. Désolé, mais c'est comme ça. Attends, quoi? Les gens sont devenus contents parce que j'ai bougé mon armée? Mais, c'est quoi ce monde? C'est quoi ce... Je suis tombé... Mais je suis dans quel pays, là? Mais c'est quoi ce Total War? Les gens, ils sont pas contents parce qu'il y a des soldats dans la région, mais c'est complètement con. C'est comme si je disais, je t'aime pas parce que tu dis bonjour aux gens, mais ça n'a aucun... Oh bon, Coric, faut vraiment arrêter de chercher la logique partout. De toute façon, ce mode, il est fou. C'est ma death. Et là, tu peux le dire. Est-ce que je peux avoir un espion au passage? Parce que bon, j'ai besoin d'espions pour... Pas besoin de Scipion, non, j'ai besoin d'espions. Oui, il faut vraiment que j'arrête avec ces blagues, mais c'est plus fort que moi. Bon, sur ces limites, j'examine chacun de mes mots en 30 secondes et je sais déjà quelle blague je vais faire. Mais non. C'est... Vous savez, si je devais prévoir tout ce que je disais à l'avance, ce serait ennuyeux. Alors, ce qui est bien quand tu commentes une vidéo que tu tournes, ben, j'ai pas besoin de me justifier, c'est super quand même. Alors, par contre, faudra vraiment qu'on explique pourquoi les gens se sont soulevés au nord. Enfin, ils étaient pas contents à Larissa. J'ai l'impression qu'en fait, les mecs, ils aimaient pas les gars que j'ai recrutés dans mon armée. Ils étaient en mode, oh, vous aime pas. Ok, on s'en va. Merci, hein. L'oracle, est-ce qu'on a gagné quelque chose? Larissa libérée. Nous avons libéré le peuple. Nous avons gagné des bonus, des unités bonus. Bah oui, je suis pas con quand même. Je sais que j'ai gagné des unités. Je sais que je suis myope parfois sur mes campagnes, mais là, c'est... Excusez-moi, ça dépasse l'entendement quand même. Ah, et donc la Grèce, je savais pas qu'il y avait autant de montagnes au mètre carré. Ah, la Grèce, c'est très beau, mais il paraît qu'il fait chaud et il y a des guêpes. Et les guêpes, je déteste ça. Pourquoi? Est-ce qu'il faut vraiment que je vous dise pourquoi cette bestiole qui ressemble à une abeille? Et pourtant que les abeilles, c'est gentil, on le sait. Ah merde, j'ai oublié de bouger l'armée là-haut. Bon, de toute façon, les gens, ils sont contents, hein. Attends, c'est moi ou l'armée, ils sont en train de recruter dans la ville? Non. Là, si les gens, si les mecs dans la ville, ils recrutent, c'est que c'est cette IA est intelligente. On est la nation la plus riche. En même temps, on est que deux. Épicaste aîné. Ouais, comme tout le monde, quoi, c'est... Ouais, bon, on va dire que j'ai rien entendu. Ah zut, je peux pas recruter de mercenaires. Attends, ils sont pas en train de recruter une armée là-dedans. C'est bon, ils ont rien recruté. Voilà, ça va être une grosse baston dans la ville. À part de recrutement à Lucas et à Delph, j'ai recruté un agent. J'ai recruté le MI6, j'ai recruté j'ai recruté 0. J'ai recruté l'agent 001. Pourquoi 01? On est dans l'antiquité, faut vraiment que je te fasse un dessin aussi. Ah bah oui, c'est vrai, je suis fou, je suis bête. Eos de Shaki, c'est quoi ce mec? Mec, t'as abusé de l'alcool et t'as dormi pendant 5... T'as pas dormi pendant 3 jours? Non, parce que là, on dirait que t'as pris... dirait que t'as fait boire du café depuis ta naissance. Du caf quoi? Ah oui, ça existe pas, ce machin aussi. Allez, on avance. Et je crois qu'on est en territoire perse, maintenant. De toute façon, là, je crois qu'on est en territoire ennemi. Oh bah oui, il y a plus de ville. Est-il une ville dans le coin? Alors... Ah, les Perses sont là! Pam, pam, pam! Baptiste, le nuque. C'est moi ou les eunuques? Ou attends, mon espoir doit être un eunuque parce que vous avez vraiment drôle de cerne, les mecs. Intéressant, donc les Perses sont pas très loin d'ici. Hein. Intéressant, Coric. L'ennemi est là. L'ennemi est nous sommes aux portes de l'ennemi. Enfin, l'ennemi est à nos portes, on aurait pu dire aussi. Ça aurait eu plus de sens, mais bon. Hein. Alors, cette ville-là, c'est fait. C'est fait. Ah. Fait. Non, pas fait. On va donner à manger au peuple, parce que sinon ils vont se plaindre. Que la preuve, maintenant, je sais pourquoi il y a des révoltes, c'est parce que les gens ont faim. Ah ouais, mais bon, je peux pas tout prévoir. Alors j'espère que les Perses vont pas débarquer maintenant, parce que je peux vous dire, il y a aucune armée en Grèce. Parce que là, s'ils m'attaquent, c'est... la Grèce, elle tombe en 3 semaines. Si tu sais, il y a toutes mes armées au nord, mais non. 469.
Ça va quand même, on n'est pas trop en retard comme j'avais prévu. Ça se trouve, on aura peut-être fini avant la mort de Périclès. Ah, souris est lente, c'est ça le problème. À Opus, on va construire ce bâtiment militaire. C'est bien parce que les gens sont contents quand même, au moins. Pidorus. Construire un truc de cavalerie, mais bon, vu que ça sert à rien, on va quand même le faire. Les gens seront contents. On a construit des écuries. Oh oui, on est contents. Je commence vraiment à me demander comment fonctionne ce monde. Alors, je sais pas si ça fonctionnait vraiment comme ça, l'antiquité grecque, mais tant que passionné d'histoire, je vais vous assurer que ça fonctionnait pas comme ça, tout de même. On va construire un grand temple d'Athéna, hein. Voilà, c'est fait. C'est fait. Attendez, au sud. Machin, là, c'est... Est-ce que fini ? Deux tours. Oh là là, c'est pas possible, on va mettre combien de temps ? On est aux portes de la Perse. Oh oui, on va se prendre une raclée, ça je vous le dis. J'ai une idée, on va attendre que les Perses y prennent la ville et on va les attaquer dans le dos pour ensuite les tuer. Hein. Voilà, je suis un grand stratège. Bien, on va assiéger cette ville et on va attendre qu'ils viennent. De toute façon, on sait qu'ils vont venir et qu'ils vont se faire tuer. Rapport de construction. Oh là là, qui tuez-moi. Ah non, c'est... Gorgo est mort. Ah bah oui, bon. Les factions les plus riches. Eh, ça va, on... TGA, merde. J'ai pas eu le temps. Zut, pardon. J'ai pas eu le temps de voir TGA. Ike... Non, c'est TGA, on dit. Ah oui, TGA... C'est pirate, mais comment ça m'énerve. Je vais même pas pouvoir faire mon débarquement dans le sud. C'est ces singes qui me bloquent. Ah oui, bah attends, on va faire un grand port. Un port au caramel. Oh non. Oui, bon, ok, ça c'était nul. TGA. Je crois que c'est la ville au centre de du Péloponnèse, si ma mémoire est bonne. Corée, tu as une bonne mémoire. Bien. Ah bon, après, tu es toujours tellement à ce jeu que... Allez, on va améliorer la ville. Et c'est bien, on va pouvoir bientôt s'arrêter là. Je suis en 36 minutes de vidéo, on n'a pas fait grand-chose. On a juste tapé des rebelles en Grèce et puis c'est tout. Hein, il se passe pas grand-chose sur ce jeu, c'est tout ce que je... Je crois que j'avais fini à Athènes les mines. Oui, c'est vrai que la région d'Athènes était connue pour avoir de très bonnes mines de fer à l'époque. Je crois que c'était du fer ou de l'or. Enfin, bref, il y avait des mines, quoi. On se comprend bien. Et on va construire une académie. Bon, comme ça, le peuple sera cultivé. Le peuple cultivé ? Pff, la bonne blague. Ah non, mais je suis sérieux. Le mec qui cultive le peuple. Non, mais je cultive pas le... Oh là là. Il y a encore un mec qui s'incruse dans cette série. À Leucas, on a une deuxième unité de navire. Mais bon, là, je vais me faire suer à faire tout ça. Ah, vivement qu'on finisse cette campagne parce que... Mais je suis tenté de faire un débarquement, sauf que l'IA, elle va m'engueuler. L'ordinateur, il va faire... C'est pas bien, t'as attaqué les mecs. Oui, mais eux, ils ont débarqué dans mon pays. Pourquoi je peux pas débarquer chez eux? Ben, parce que c'est le jeu. Merci du conseil. Bon, là, on a des... Ouais, on va construire ce bâtiment-là. Aptia. On va faire des routes. C'est bien parce qu'on a des routes un peu partout dans le monde. Ça, c'est en tout cas, la Grèce n'aura jamais été... Ah, c'est bon, Knossos, c'est fait. Je peux refaire des unités, oui. Oui et oui. Génial, on va avoir une bonne armée pour envahir les fourbes perses. Enfin, les fourbes grecs. Oui, bon, ça, je sais que cette ville m'appartient quand même. Je suis pas débile. Et Peira. Enfin, bref. On va construire des toilettes. Enfin, c'est une fontaine. Seaworth, je crois que c'est des égouts, alors... Oui, bon, ok, j'ai un anglais approximatif, faut pas m'en vouloir. Ils sont partis. On a un coup à jouer, les mecs. On a un coup à jouer, sachez, c'est moi qui vous le dis. Oui, quoi, je chante le chant du départ, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, le mec qui est agressif, chante le chant du départ. Je vous ennuie si ça vous plaît pas. Dites pas qu'il pète un câble. Les gens sont intelligents, ils sont devenus intelligents. Les gens sont intelligents dans ce pays. Enfin, on va débarquer ici. Alors par contre, elle est où la ville? Attends, je vais faire un petit tour de la ville. Je vais faire un petit tour du propriétaire, comme on dit. Oh là, regarde l'armée qui est là. Oh, fait chier. Et ça va de plus en plus grosse les armées des îles, quoi. Les mecs qui recrutent des armées dans les îles, tu sais. Bonjour, bienvenue dans la République populaire de Samé. Oh, ah non, tu ne mourras pas. Tu ne mourras jamais. Allez, au revoir. Alors, là-haut, ça se passe comment? Ah, ils ont pris la ville d'à côté. Très bien, ça me va. Épidorus. Et attends, c'est où ce truc? Donc, j'ai du monde là-bas. Attendez, là-haut, 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 là-haut.
Pidorus, on a un gros problème. Ah bah génial, on va aller prendre une ville au Perse. Bah tiens, justement, j'avais envie de me défouler un peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ta petite armée? Des Grecs? Des Macédoniens? Oh, les salauds, ils nous trahissent. It's a trap. Attendez, hein. M'en veux pas, mais mon général, il veut pas se battre, en fait. Allez, au revoir. Kidonia s'expande. Enfin, s'agrandit, hein. Voilà, c'est pas français, sinon, hein. Sinon, les pro-anglais vont aller m'engueuler en faisant... Ça ne se dit pas, voyons. Oui, oui. Parce qu'il y a un truc qui se dit pas sur cette chaîne. Voyons, peut-on rire de tout, comme a dit Pierre... C'était des proches qui a dit ça, enfin, je crois. Tu sais, le mec trop inculte. C'est Pierre Desbroches qui a dit. Ok, j'ai faux. Perdu. Je pense qu'on va constituer une armée à Corinth. Oh oui, attendez, on va constituer une armée. Et je pense qu'on va troller l'IA, on va aller débarquer à Rhodes. Allez, on s'en fiche. J'ai envie de me défouler sur les Perses. On va faire un truc que l'IA ne va pas être contente. On va débarquer en Perse. Oh mon dieu. Oh putain, en faisant la... Genre les gens qui étaient en mode... Oh, je me suis étouffé moi-même. Oh le... Oh, c'est con ça quand même. Tiens, on a 6 paysans qui servent plus à rien. Ils sont payés 9 chacun. Ils sont payés 9 d'entretien pour... C'est complètement con quand même. Ou alors ils reçoivent la moitié d'armes et... Enfin bref, très bizarre votre histoire là les gars. Je pense qu'on va débarquer en Perse parce qu'honnêtement, j'ai envie que cette campagne se termine. Elle sera courte, tu me diras, mais bon, hein, c'est... J'ai la flemme de regarder, de construire tous ces bâtiments, les gars. J'en ai marre. Ah. Bien. Alors ici, Pink, des dardos Ashton, comme dirait le Führer sur le jeu... Non, c'est pas un jeu déjà ça. Oh allez, on n'est pas content. Ouais, bizarrement, là, je baisse les impôts et j'en suis content. 17 d'incom, mais ces 17 villes ne nous rapportent rien, on est bien d'accord. En avant. Pas construire une tour, quelque chose du type. De toute façon, là, tu vois l'argent que j'ai dans les... Construisez une tour. Oh, par contre, elle est où, votre ville, les mecs? Je veux bien pas activer le brouillard de guerre uniquement dans cet épisode. Oui, sire. Mais bon, elle doit être au sud-ouest. Au sud-ouest de notre position, je pense qu'on va trouver la cible. Oui, grand stratège. Trouver. Tu sais les mecs ils ont fait. Je crois que la ville est au sud-ouest, vous en êtes sûr? Trouver. Ok, c'est bon. Bataille est gagnée. Qu'est-ce qu'ils ont alors? C'est Euryanax qui défend la ville. Bien. Bien cher Euryanax, ça va être un plaisir de vous assassiner. En beauté. Tu sais le mec qui parle mal. On va vous tuer en beauté. C'est bon, on va assiéger cette ville. C'est bon, ben, et après il restera plus qu'une île au sud à prendre et ce sera bon. Ces maudits pirates. Oh non, non, un pirate. Ah, tuez-moi, bon sang. Oh non, pas encore ce truc du. Oh, ta flotte peut pas rentrer dans ma flotte. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, lol. Oh non, mais allez vous faire là. C'est... Pourquoi vous voulez pas rentrer dans ma flotte, quoi? C'est pas logique. Puis quand des soldats, ça veut pas rentrer dans une flotte. Voilà, hein, cordialement, je refais ma flotte. Je refais ma flotte et je rentre à ma maison. Et je pense qu'on aura une nouvelle flotte dans le prochain épisode. Est-ce que je passe le tour? Oui, on peut passer le tour, je pense. Attendez, oui, l'espion, en effet, que je bouge 0-0. Enfin bref, on s'est bien compris. Ouais, là par contre, les Perses à notre frontière, je vais pas aimer ça très longtemps. Sa voix correspond bien à son portrait. Ça par contre, c'est pas normal. C'est pas un normal, je voulais dire. Passons le tour. Les Perses se ramènent. Tu vas m'attaquer avec ta petite armée? Mais regardez, oh comme il est mignon. Il a une armée de singes. Et il veut me faire la peau avec. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Comme dirait l'autre dans cette pub de je sais pas combien d'années ça fait. Toi, tu vas au nord. En espérant pas tomber sur des rebelles. Ce serait drôle. Non mais les mecs, vous pensez vraiment qu'on va tomber sur des rebelles en route? Ce scénario serait complètement con, voyons. Et un dernier bâtiment, et on va arrêter cet épisode ici. Oh oui, on n'est pas content. Bah. Je peux dire, ça commence à m'énerver le peuple qui se réveille. Ah, bizarrement, je recrute une unité, ça y est, on est content. D'accord. On a Ilaera qui est né. Ouais. Et on va s'arrêter là. Ah, la lumière de mon... d'une feuille de papier blanche qui fait qu'il est en train de me niquer les yeux, mais bon, on va rien dire là-dessus. Non, pas ça.
Voilà, c'est part 2. Et bon, on va s'arrêter là. Donc j'espère que vous aurez bien aimé cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Bye.